Et salut tout le monde les gens, c'est Gumpy. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Fishing Planet. Deuxième vidéo, je suis pas sûr, mais il me semble un jeu qui m'avait beaucoup plu, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, si je me trompe pas. J'ai avancé un tout petit peu. Là, je voulais vous montrer un petit peu l'avancée, le nouveau matériel que j'ai et surtout les nouveaux poissons qu'on peut prendre, enfin nouveaux poissons que je peux prendre dans mon avancée de la partie. Donc là, actuellement, j'ai une canne à spinning, une cuillère ondulante, 5 grammes dorés, un gros moulinet, de la tresse et un gros vivier. Voilà, en gros, ce que j'ai, tout simplement. Alors, je suis sur un nouveau lac. Lac qui a été débloqué, je crois, pour Noël. Alors, je suis pas très très sûr du coup. Voilà. Donc, on va essayer d'attraper un brochet ou quelque chose du genre. Alors, c'est pas dit que j'y arrive. Ah. Ça va pas le faire, hein. Bah allez, je décroche ça et je vous retrouve après. Et re les gens, donc c'est bon, hein. On se retrouve après le décrochage qui en fait n'est pas compliqué. Il suffit de serrer son frein un petit peu et de tirer vers le haut. Et on arrive à décrocher assez facilement. Donc on va essayer d'avoir quelque chose. Non. Ah si, peut-être. Peut-être. Oh oh oh. Oh, une perche chaude, ils appellent. Jolie perche. En vrai, ouais, une perche de 28-30 cm quasiment pour 304, c'est. Elles sont vraiment bien faites, hein. Même le triple là, la cuillère, c'est vraiment vraiment bien fait. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On garde? Allez, on garde. Premier poisson de cette vidéo ensemble. On va voir si on peut faire autre chose. Je pense pas qu'il y ait besoin de lancer très loin, voilà. Je pense pas que j'ai besoin d'aller jusque dans les herbiers. Bon, par contre, une perche, ça se ramène facilement, hein. Avec ce que j'ai. Ouais, hop, on va relancer. Deux. Hop. Ça peut être pas mal, là. Oh, c'est pas mal. Oh, je suis accroché. Sérieux? Voilà. Vous voyez, je suis arrivé du premier coup. Une fois qu'on a compris la technique. Ouais, c'est pas folichon, hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre un brochet pour vous les montrer. Et puis dès que j'en ai un, on se retrouve, quoi. Allez, à tout de suite. Ah, je crois qu'on a une touche. On a une touche. Alors, faut que je surveille ma ligne. On va détendre un petit peu. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'adore ce jeu. Non, il est vraiment bien fait quand même, hein. Par contre, le coup des gouttes sur l'écran, c'est pas très joli. Alors, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air pas vilain, en tout cas. On va faire attention. Hop, attention. Oh, oh, jeune grand brochet quand même. Bon, à 41 cm. Ça me fait de l'XP. L'XP, c'est ce que vous voyez ici, là, les petites étoiles avec le 12. Je vais garder. Parce que c'est pas mal. Donc voilà, regardez comment ils sont bien faits, les brochets. Donc il y a plusieurs types de brochets, hein, mais regardez comment ils sont vraiment bien faits. Les détails des dents, la façon dont ils bougent. Et le triple, comment il est planté dans la gueule. C'est... Ouais, c'est comme en vrai. Allez, hop, on garde. On va essayer d'en reprendre un. J'avais lancé par où? J'avais lancé par là. Il me dit, bon, vous êtes encore accroché. Et j'aime ça, le danger. Hop, donc on va se remettre à 3. Donc on va faire comme ça. Je vais le laisser traîner sur le fond. Ah. Ah. Ah ben, vous voyez, je crois que j'ai trouvé une technique. Qui a l'air de fonctionner. On va faire deuxième poisson en live. Donc là, là, on mouline. On va pas lui laisser de mou. Voilà. Dès qu'il y a du mou, on récupère.
On va le suivre, mais on va le brider un peu. Oh, ça a l'air joli. Brochet, quasi sûr. On va faire attention à la tension de la ligne, hein. Vous voyez à droite la tension de la ligne. Par contre, j'ai laissé du mou. Normalement, on laisse pas de mou comme ça. Allez, viens ici. Alors voilà, ça c'est un deuxième type de brochet, hein. Un brochet vermiculé. Bon. Il ressemble à l'autre, hein. On dirait que sa robe change un peu et... Ouais, ils sont plus ou moins des mêmes poids taille, hein, visiblement. Quoique, il dit pas que c'est un jeune. Donc à mon avis, leur taille maxi, elle doit être pas loin d'être comme ça. Allez, on garde. Un brochet est un brochet. Aujourd'hui, on mange de la viande. On va relancer au même endroit, écoutez. Ça a l'air pas mal. On va faire ça, on va le laisser, on va... Voilà, on va faire ça, et on va faire ça comme ça. Voilà. Puisque ça a l'air de marcher quand on le traîne sur le fond. Ouais, je regarde la distance à laquelle les touches sont. Il doit y avoir un... une distance fétiche. On essaiera cette technique, mais de l'autre côté, vers les nénuphars. On sait jamais. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, il y a d'autres types de pêche, hein. Alors, j'ai pas encore débloqué. Alors, pour l'instant, j'ai le poisson chat, les perches soleil et au bord, une perche. Ouh là là, joli. Encore une perche de 30 cm, 7 points. Bah écoutez, hein, on garde, hein. En vrai, je l'aurais relâché. Dans la vraie vie. IRL, je l'aurais relâché parce que bah, ça sert à rien, quoi, de garder des. Garder des fiches comme ça qui en plus ne se mangent même pas. Enfin. Ça n'a pas d'intérêt. Je préfère les reprendre plus tard. Plus gros. Enfin, bref, sinon, à part la pêche et la technique qui semble fonctionner. Nouveauté. Ah. Bah voilà, touche. Nouveauté ni YouTube ni Twitch. Hein. Je vais ouvrir, donc il est ouvert en bêta pour l'instant, mon site internet. Vous allez dire à quoi ça sert. Bah ça sert en fait à centraliser un peu tout. YouTube, Twitch, Twitter, etc. 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 En nouveauté, bah, mon serveur bah, qui a ouvert, mais ça vous le saviez déjà, j'en avais déjà parlé, vous avez vu les trailers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveauté? Bah, il y a la série The Forest avec Dico qui est en route. Allez, hop, un petit brochet. Je garde. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore de bien sympa? Et puis, bah, Plague. Plague Inc. Qui est en cours aussi, que j'aime bien. Bon, pour l'instant, pas vraiment de trucs prévu, j'ai pas vraiment réfléchi en fait sur Plague ce que je pouvais faire, mais j'aime bien ce petit jeu et voilà, je vous l'avais présenté. Je suis accroché. Oui, accroché. Donc voilà, c'est pas vraiment des news, mais les petites choses qui se passent sur la chaîne. J'essaie d'être un peu plus actif, je sais pas si vous avez pu le remarquer en tout cas. Et puis c'est à peu près tout. Quelques nouveautés au niveau matériel, tout ça, mais ça bah, vous pourrez voir sur le site et je ferai une vidéo pour ça. Sinon c'est à peu près tout ce qui se passe. Donc vous avez vu quand même que le jeu quand même il est quand même bien foutu. Bon, à part qu'il pleut. Ok, bon. On va serrer le frein. Hop. On va desserrer le frein. 15 mètres, tout peut se passer. Tout peut arriver. C'est pas vrai ça. J'ai des algues au fond. Hop, on remonte. Allez, on remonte tout ça. J'avais plus de chance de l'autre côté, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. La balle, hein. Peut-être trop loin. Bon, en espérant que ça fonctionne.
Donc voilà, vous voyez que le jeu quand même il est vraiment 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 super beau. Alors je me rappelle plus de la qualité de la dernière vidéo que je vous avais faite. Il me semble que j'avais fait un fail. Là le problème a l'air, je pense, sera réglé. Décidément. Mais sinon ouais, il est vraiment bien fait quoi. À part la pluie là qui gêne. Il est vraiment trop bien. Donc ce jeu, moi je peux y passer un temps, mais. Comme la vraie, comme la pêche en vrai, quoi. Je suis capable d'y passer des heures et des heures comme ça. Juste parce que ben moi ça me détend. Après voilà. Hein. Je le trouve vachement réaliste. Tous ceux qui pêchent en tout cas. Oh, la touche au bord. Voilà. Oh, joli. Bon, on va garder, hein. On va garder ça et je vais vous montrer ce que ça fait du coup quand on quitte. Quand on quitte la partie, donc admettons, voilà, oh j'ai assez pêché. J'appuie sur l'inventaire tout simplement. Donc voilà, on se retrouve dans mon inventaire. Ah mais j'avais 4 comme ça et une comme ça. Oh, c'est bizarre. Bref. Donc vous faites retourner sur le monde, retourner à la maison. Ça va vous demander ce que je veux quitter cet étang, oui. Donc ça vous dit que voilà, j'ai eu 38$ de récompense, que j'ai eu 7 poissons, que j'ai eu 15 touches en tout, ça fait 64 d'XP et 38$, on va appeler ça. Hein. Voilà. Alors il me dit que j'ai pas de succès, blablabla. Hop. Non, faut y passer plus de temps pour que ce soit rentable. Hein. Clairement. Donc voilà, la prochaine fois je vais essayer de vous montrer un petit peu la pêche aux silures, parce que c'est pareil, c'est vraiment intéressant. Et après bah, je referai sûrement une vidéo quand j'aurai un peu plus évolué, que j'aurai de la pêche à la carpe ou des nouveaux lacs ou nouvelles choses à pêcher. Vous voyez, il y a des trucs sympas là, voilà, le brochet crocodile notamment. Bon, le poisson chat c'est le silure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu d'intéressant? Il y a la truite qui peut être vraiment intéressant. Le bass, ben, c'est logique. Poisson chat. Voilà. Et la carpe. Voilà ce qui m'intéresse, moi. Donc, on se retrouvera sûrement, ben, vous voyez, le niveau 18, hein, quand j'aurai pas mal joué. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, ce jeu, mais je le trouve vraiment parfait. Parce que ben, moi, je pêche IRL. Et je le trouve vraiment... Il est en cours de développement en plus, donc il n'est pas fini comme jeu. Donc vraiment, je le trouve vraiment bien fait. J'apprécie vraiment beaucoup. Donc sur ce, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.